L'histoire d'un pasteur qui tient une église dite de réveil. Alors, ce monsieur, non seulement était censé, enfin, non seulement parlait de la parole de Dieu et autres, on a découvert un jour, alors qu'il était en pleine séance de prière, qu'il a enceinté 5 fidèles, voire 10 de ses fidèles. Et parmi les fidèles, on nous parle de 5 femmes mariées, parmi les autres 5 jeunes filles, une maman et sa fille. C'est une histoire qui se vit ici même dans la capitale économique, au quartier d'Okpassi. Alors, c'est pendant une séance de prière que les fidèles et le prophète ont été surpris par l'arrivée fortune comme ça d'un mari à l'une de ses fidèles, du moins, du mari d'une des fidèles qui aurait été enceintée par le pasteur. Il était courroucé. Il voulait en découdre avec le pasteur parce qu'il avait été informé que ce dernier entretenait des relations intimes avec sa femme au point de l'enceinter. Le monsieur courroucé allait vouloir faire du mal, violenter le pasteur. Il a été arrêté. L'histoire a créé un grand scandale dans l'église. Et c'est comme ça que de fil aiguille, on a découvert que non seulement des victimes ne se comptaient pas en termes de 1, 2, 3, non. Des victimes étaient évaluées à une dizaine. Alors l'histoire de ce pasteur-là vous parle certainement. Elles sont nombreuses, ces femmes-là, qui se rendent dans ces églises, dans ces lieux de prière pour pouvoir chercher du réconfort, du soutien, de l'assistance et quelquefois sont détournées par ces hommes-là qui sont censés représenter certaines valeurs. Jésus-Christ, PV, connaîtrez la vérité et la vérité.